Bon dimanche, Tindika Tindika Télévision, Papi Kamwasi, Kamwasi Chilombo, les conseillers autoproclamés, indépendants, sans ordonnance, sans salaire, toujours Nanko. Merci et bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, naba croyant Nyonso, Oyobandimaka Jésus-Christ, comme leur sauveur, enfin Seigneur et Sauveur. Donc, dans Tombelibino et Yenga, Malamu, partout, vous apportez la biso à travers cette émission. Donc, dans Tindika Tindika Télévision, avec lui-même, Kamwasi. Chers internautes, n'a invité bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Moi, n'a yaboke tchou. Aye boloka musala et pas ya Auguste Kabuya. Kabuya lobi koloba makambo yo tete ndika. Ngala bia mon général. Na koloba kaka. Mwana ya Bokechu. Aye boloka musala li mette pa ya Auguste Kabuya. Boyo ka suite. Cher internaute, pouvoir o eleki. Non. N'a évité son excellence Fati Béton, n'a évité ce qu'a Utawapi, n'a évité. Il y a un le petit frère de Jésus-Christ. Makambu est belé Azako Finika. Azako Finika. Effectivement, Mboka Oyo était Kamaka Tozala qui sont dans le côté Bateki Bazamba. Bate qui ba mine, bate qui ba extrait. Y a biloko e belé, ba pétrole, tout. Tout ba nakaka tana contrat chinois. Soki boyoki ba détail, boyoki la quintessence. Y a contrat chinois, ba ndeko nanga bokole la. Wana muzitu, eh? Bokilo nanga yo wana. Premier ministre, contrat chinois pour le donc, ba signa contrat mis sur Yakokangama, donc ba pesa tout pour ba chinois. Yamamoni Facha Benga Kibango, ba revoir ba contrat wana. Awa, tozana makamouya, ba actif pétrolier et minier, na groupe Ventura. Wana eza, donc, koteka. Miso ko kana ma po na mbongo tozo solo la lobby na ki fara fara mwana bute aka 70 Augustin Kabuya na son excellence nana manuani na kiumba mfumu buku océan mulongeshi wa kalasa les professeurs des universités bazala ki wapi dans cette émission. Encore une fois, lelo. Tozo betali sousou li solo. Ya dossier kamere. Très, très important. Et enfin, batouba benginga lobby. Ba lobby alingeti. Comment asako collaboré na ba journaliste ou ba finga président matin, midi, soir. Est-ce que ça complice ton dengenine? Na ko répondre selon gai. Émission est bandi. Chers internautes, boza la malamu, boya bien. Karibu, benvindu, welcome dans Tindika Tindika Télévision. Bobenga na bana. Makambu ya mwana ya boketu na koloba na suka. Boyo kasikoyo, tokoti na masolo. Chers internautes, groupe Ventura, groupe wana ba yaki basoli na gouvernement oyo eleki avant Fati Beton Fumadi Tunga a yinge na kibokonzi. Donc, ba teka ne koteka, ba actif. Pétrolier et minier.
Donc, bon exploiter la bino ndenge bolingi, mais bon pesa soka ata moi 2 millions to 3 millions to tsana ba poche a boupia, bazako ye baté lobby. Banani bakotika la ko yingela na biloko wana, mais tozo bota. Na bino na biso. Toko tike na bana wana richesse nini, bazwa ki ba mini tube actif pétrolier bateka. Fati beto ba ye liye dossier atali. Ha? Mais ça c'est fini. Tu vas expliquer ba la lobby nini. Wana azali petit frère de Jésus-Christ, Fati Beto. Na place ya kokanga batu. Pour son aller le dossier, yo ko ba kake Kabila. Je vous dis. Comment consigner ma contrat ya modèle wana? Ndemo konza mboka mona ki ba bengi si le président, le PDG, ya groupe Ventura, ba sololi, ba ebisye papa, zongisa ba actif. Donc la restitution, zongisa, biloko ya batu ya Congo, biloko ya batu ya bana, on te zobota nele bako yinge la lobby. Ça c'est quel genre de document, quel genre de contrat? Bota la mosko na image ndenge eleki musala fachi beto na kosala oyo mingi bazo comprendre te ata olie te lelo me bazo bongisela yo kotoda ya lobby mabe regarde. Nous sommes le 23 février 2022, la République démocratique du Congo et le groupe Ventura de l'opérateur économique Dan Gettler signent un accord qui porte sur la restitution à la RDC des actifs pétroliers et miniers d'une valeur estimée à plus de 2 milliards de dollars américains. Un accord obtenu grâce à une bataille menée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'objectif de revisiter tous les contrats et transactions économiques au sein du secteur extractif de notre pays et de s'assurer qu'ils ont été conclus dans l'intérêt de la RDC. Pour des raisons de transparence et de cohérence dans la communication de cet accord, la présidence de la République, à l'initiative du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, a convié la société civile à une table ronde de 2 jours, soit du 13 au 14 avril 2022, pour échanger sur ces documents et répondre à ses interrogations et inquiétudes. Des assises animées par les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Les participants ont séance tenante pris connaissance du protocole d'accord et toute la documentation définitive. Un exercice de transparence qui a donné lieu par la suite à un débat ouvert et houleux sur notamment le choix de la méthodologie des règlements du différend entre les deux parties et sur le retard constaté dans la publication de cet accord à l'attention des citoyens congolais. Les débats se sont poursuivis le deuxième jour avec un focus sur les chiffres clés contenus dans le protocole d'accord pour éclairer la lanterne des acteurs de la société civile. Après de nombreuses heures d'échange, la société civile s'est exprimée 48 heures après dans une déclaration commune. Nous prenons note et encourageons la volonté du président de la République de récupérer et de protéger le patrimoine national, ce qui est d'ailleurs l'une des obligations de tous les gouvernants. Ayant pris connaissance de l'accord, sans en disposer en dur ou en électronique, à cause de la clause de confidentialité convenue par les deux parties, nous pensons que son application effective permettra à la population congolaise de récupérer ses droits. Ces acteurs de la société civile ont par ailleurs fait plusieurs recommandations aux autorités du pays, parmi lesquelles la mise en place d'un comité de suivi inclusif et pluriel, chargé notamment du suivi de l'exécution de l'accord signé entre le gouvernement et le groupe Ventura et d'assurer la permanence d'une réflexion sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des ressources naturelles. Retour sur ce plateau. Lobby ezala ki fara fara Augustin Kabuya nana manwani na nini elekaki Ligue des femmes ya UDPS ba mama wana bakamwisinga nzoka ba sala kande biloko ebele ba inventa kape biloko ebele ba sala ki sous forme ya clôture ya mois de la femme mieux vaut tard que jamais mais ezala ki sous forme ya foire. Et ça qui peut na fikine na foire ya kala tout ça qui wana foire beba et comme site balela kabi bembe mai kotonda babar na moni quelques jeux
Donc, wana keba na tétanos. Bana poto, boya la ba moyen, bozong sa foire wana. Fikin. Chers internautes, bota la mon image, ndenge le kaki ba invita ki secrétaire général Augustin Kabuya, ba bengi sa ki pe, moi si ya IDPS, maman Manouani na kiumba son excellence, moi si ya mayele, parce que fara fara, na CG Augustin Kabuya, pour ba yako encourager ba maman wana. Et puis na souka Augustin Kabuya, yibi si babo, boza la calme, toko solo la, ngayi na bino, en aparté ou en huis clos na kunda na batoire peno konzambo ka fa mona bino ayeba oyo boza ko sala pour la république démocratique du Congo bon bénéficier d'encadrement mususu pour l'intérêt général bon ta la ndenge le kaki lobby na fikin kamwasi également était là regarde. Thank you.
bino ke nan zongi la li solo muke ya kamere parce que mingi ba interpréter ma belle décision ya président ya cour de cassation. To pe juge ya cour de cassation. Na kele ki ko lukape oyo ba na maîtrise ya droit. Oyo ba tungu la ka droit. Matin, midi, soir, ala la kalandrana droit. Aye bisa ki biso makambo yo bino mozo lo bate. Ke a basi bali misiye esili abiki bokeba. Bokoyoka o azomi na selimbao. Boka mwate eza droit. Bo sepelate. Bo kritike mingite. Tozela na suka ya masolo décision finale ya cour de cassation. Bolanda matéria, bon comprendre. Oyo batala kité. Regardez. Maître, bonjour. Bonjour, Tindika Tindika. Oyo eza matière na bisote, yango toye ko luka yo. Très bien. Balobi kamere, donc ba nilé maramutu, c'est fini. Donc Esili a donc commandé premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Non, ezali lukuta. Ezali lukuta munene. Et la kisini ni kasi, ba kase, ba kase nyo, c'est la kisini. Bon. Yokolo mibeko. Bon, cour de cassation est la juridiction de cassation. Ça veut dire quoi? Cour de cassation est la dernière donc juridiction na ba juridiction non c'est ordre judiciaire. Ce qui autant dit constitution na biso malam. Tu as trois ordres de juridiction. Tu as ordre constitutionnel, tu as ordre judiciaire et puis tu as ordre administratif. Alors, na ordre judiciaire, tu as tribunal de paix, tribunal de grande instance, cour d'appel, et puis tout ça, la cour de cassation. Cour de cassation est la juridiction où il y a une fête. Dès que tu as un tribunal de grande instance, tu as une cour d'appel dans le dossier à Kamere. Il y a une juridiction de cassation. Il y a un jugement où il y a rendu par le tribunal inférieur. Et en l'occurrence, la cour d'appel pour l'Italie est à Kamere. Donc, au moment où je vous parle, la cour de cassation a cassé le jugement à premier juge et puis a renvoyé affaire dans la cour d'appel pour qu'elle la réjuge. Oh. Donc, ils ont les droits. Donc, ils ont dit qu'ils sont à zéro. Bon, je vais vous dire qu'ils ont dit à zéro. Parce qu'à zéro, ils ont dit qu'il faut qu'ils aient un tribunal de grande instance. Ils ont dit qu'ils ont un juge d'appel, donc ils ont dit cour d'appel pour que yango e bandela ko réjuger les sous ba fait wana na tour na bango on a bango ba monique juge o ya nani juge inférieur ya appel a juge qui vient te yango ba renvoyer yango mais devant une autre cour d'appel pas devant la même cour. Ah voilà, donc c'est que cour d'appel a la possibilité de condamner ezali les sous. Bien sûr que oui, donc possibilité de condamner ezali, c'est-à-dire que ceux qui va réjuger yango ba monique effectivement fait Oyo Badali pour reprocher Ezali établi en fait comme endroit, il sera condamné. Donc, voilà. Namoukou se tolobake, batuya INC, basa la fête ite. Donc, nanou ba Kamela la sauvete. Non. On ne peut pas chanter la victoire avant même cette victoire là. C'est-à-dire que, il faut y veiller comme encore. Na o Itali makamwa justice, on ne peut pas se prévaloir d'avoir vaincu en avance. Pourquoi? Parce que bah élément après Vezali. Si juge y a appel et pas besoin ici dossier. À Monique effectivement, il y a eu détournement. Il y a eu détournement. À condamné. Okay. Donc bah Mirmiro Vezali ko le Kanabalobi azonson ma pona comme premier ministre. En tout cas, Vezali fausse rumeur. Pourquoi? Parce que en droit, ceux qui mutoa dali présumé auteur y a infraction XY. Il est de bon droit que Moutouana a la suspendue dans la fonction pour qu'elle ait influencé l'enquête Teto à faire perdre à Boum qui s'est élément de preuve. À combien plus forte raison, oh, déjà, il a été condamné, bien que va renvoyer à faire pour être réjugé, il n'y a pas comme c'est le premier ministre. Tant que je suis dans la a comme quoi influencé, je suis le jugement et le gamalam. Donc, c'est une fausse information, il va la calme, il la confiance dans la justice, dans la Bissot. Fachi Béton a impulsé cette dynamique
et bah juge wana ba ko sala RT si effectivement caméra il est démontré na cour d'appel côté ou ape ba zone si dossier est allé démontrer qu'a détourné qui et ben il sera condamné sera va condamné question à souka à cause on en prison ou bien en aura la liberté effectivement juge tant qu'on a zo rendre jugement na eto arrêt na yé a motivé ka jugement wana et puis na souka a ko di ko loba l'arrestation immédiate c'est à dire que ba kangambalamoko délinquant ba conduire en prison tout comme peut a ko di ko rendre jugement wana a sorti na ba sursis et ni ko loba par exemple na condamné par exemple na 20 ans avec sursis et ni ko loba osa condamné mais o ko purger peine non na kata prison té o ko za la dans une résidence surveillée ou bien mise à la disposition du gouvernement avec interdiction de visiter certains lieux net ba aéroport ba aérogare ba place OK mouta ko di ko voyager facilement donc c'est ça merci maître mais question me reposer yo est-ce que vous allez disposer à chaque fois dossier moko vous allez lié la justice to luka yo pour na éclairage musala to sala ya mwana. Donc, je suis à l'appel, je suis à dossier en Italie, justice. Donc, je suis à l'appel, n'importe quel dossier, je suis à l'appel, je suis à l'appel, je en tout cas, en tout cas, vous avez un dossier, vous avez des complications, vous avez un avocat, vous avez une clarté, n'hésitez pas, contactez mon petit frère Apache, Tindika, à vous contacter, vous avez un contact à ma solo, en tout cas, au OCP là. Merci, maître. Je vous en prie. Babengi ngai poba yebisa ngai comportement ya lingeti bazota la yena ba emission na biso te azako leka papa lu warawara donc papa toyo nyoso ba fina na fati beton matin midi soir nde ba journaliste na ye siko ngaka mwa sina sarani il est libre c'est ça aussi la démocratie. On peut imposer ma journaliste était au sein de la barre d'émission. Au sein de l'émission, ma journaliste est au yo hier alors on s'est senti à l'aise. Attends, voilà qu'on finit. Mais après tout, voilà qu'on a demandé qu'on a mis ça. Bah, nous sommes pas dans les jeunes de l'ébisso. Malembe, va donc comprendre. Et dans le coin de la politique, des relations se font, se défont, se refont. Dans la colobanine, Aligeti azali libre, yako pona ba journaliste oyo sika ya préféré a passer message na ye. Ngasi ko kamwa sina kolobanini. Oh ana fiti, ana ko pele na bato bana binemi ya Fati. Fati la ennemi ya mutute, Fati azali ami ya bato nyonso. Olingaye. Ofingaye te. Fati azala karankinieti. Aucun jour, mon journaliste, mon grand haut, bakangiye, babomiye, ou à son moins en athée, l'obake, à sa lamba dossier d'un moussous. Ou bien à commettre l'infraction pendant que l'on injure public, ou alors pour convoquer la justice. Mais bon, on tire à l'augmenter Fatih Béton à porter mon tout plainte. Non. Voilà. Pour clôturer, chers internautes, lobby en aparté, Ragina Augustin Kabuya AK 70 mois na bouté. Bon, moi, on a l'image, à Benguinga, à Simbinga na Lipeka. À Bekelinga, il est solo. Moi, na Yabokechu, à Yeko Luka Moussala, et pas à Augustin Kabuya. Bino, moi, comment répondre? Alors, bien, là, moi, s'il faut pas dire, ça va bien, c'est ce photo, l'on va pas dire. Foto lobaka, batuba ye baka. Réponse est pas nabino. Bape sa ye moussala, to bape sa ye moussala te. Moi na bokechu. Aye pa ya kabuya Augustin. Kabuya pe ayambiye, pe ayokiye. Atuniye, moi na nangai. Nini olingi, oye koluka nga pourquoi? Bino boli na gabisoti. Papa na yo matin midi soir ko finga na mokonza mboka na ngai. Sikoy.
Oye koluka nini? Papa, na ye koluka musala. Boye bisangai. Na ye bisakabu ya nini? Balu ke la ye musala, to batike na balabala. Emission Siri. Merci. Ngai na bino, lobi lendi, soki, Yesu Kristo azongi te na butwa lelo, donc lobi to komona. Mais soki azongi, donc, fin du monde. Nabino na bino, okufa mkolo moko. Emission Siri la rate Siri, boti kala bien, ba bonne fête de Pâques encore une fois, na ma bota na bino nyoso, to zala bien, to benganaka, to solo la kapi. Na limwe.